Qu'il est là, c'est sûr. Flan ? Alors. Ok, c'est bon, on peut commencer. D'accord. Alors, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de présenter cette conférence qui s'inscrit, comme vous le savez, dans notre grand mois de la francophonie. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser qu'il s'agit d'une activité cofinancée par le département de philologie française et par l'Agence universitaire de la francophonie. Et je remercie surtout vivement notre conférencier d'aujourd'hui, Monsieur Mbusetta Diagana, qui a eu la gentillesse de nous faire une petite place dans son emploi du temps, qui, j'imagine, est très chargé. Donc, merci infiniment. Alors, je vais vous présenter, j'ai essayé de résumer votre curriculum, hein, donc vous complétez, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup, beaucoup fait de choses très intéressantes, donc je vais résumer à ma manière, on va dire ça comme ça. En tout cas, alors, vous êtes le vice-président de l'université de Nouakchott, donc qui se situe en Mauritanie. Vous êtes également le directeur du livre et de la lecture publique du ministère de la Culture et de l'Artisanat, directeur adjoint de la Culture et des Arts aussi du ministère de la Culture, membre du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de Mauritanie et membre également du conseil d'administration de l'Institut pédagogique national. En ce qui concerne l'enseignement et la recherche scientifique, vous êtes récemment, donc, depuis récemment, le responsable du groupe de recherche en littératures africaines, voilà, la faculté des lettres de Nouakchott aussi. Et en ce qui concerne vos ouvrages, pour n'en citer que deux, je citerai Les éléments de la littérature mauritanienne de langue française, donc c'est un essai, voilà, qui est paru en 2008. Et je citerai aussi Littérature francophone de Mauritanie, Émergence, Influence, Confluence, hein, qui est paru en 2020, donc extrêmement récent. Et vous avez aussi écrit de nombreux articles, des revues prestigieuses, hein, et je citerai par exemple, voilà, La littérature mauritanienne francophone, interculturelle francophonie. Voilà. Donc, Monsieur Diagana, je vous cède la parole. Vous avez plus ou moins trois quarts d'heure, hein, pour votre exposition et après nous passerons donc aux questions qui seront, j'imagine, nombreuses. Voilà, à vous. Merci Virginia. Je voudrais à mon tour vous remercier à travers vous donc l'Université de Grenada de me faire l'honneur d'être avec vous ce matin pour parler d'une littérature peu connue d'un pays d'ailleurs lui-même très peu connu. Moi, je me donne un objectif depuis donc jeune étudiant, c'est de faire connaître cette littérature mauritanienne. C'est mon, si vous voulez, c'est mon objectif principal, c'est mon cheval de bataille. Donc, c'est une littérature qui est très jeune, comme le pays. C'est une littérature, je ne veux pas dire une littérature accidentelle, comme le pays lui-même est accidentel. Cette conférence sera pour moi une forme d'introduction parce que vos étudiants ne connaissent pas très bien la littérature mauritanienne. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Donc, la conférence va prendre la forme d'un panorama, faire une présentation, une introduction générale de la littérature mauritanienne. D'abord, parler de la Mauritanie, qui est un pays atypique, un pays particulier, qui se situe entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. D'ailleurs, même au niveau des institutions internationales des Nations Unies, parfois c'est un pays qu'on classe avec les pays maghrébins. Par exemple, quand on prend l'UNESCO, la Mauritanie fait partie de la région Maghreb. Quand on prend l'AIEF, la Mauritanie fait partie de la région Afrique de l'Ouest. Donc c'est un pays qui déjà géographiquement, on ne sait pas trop où le situer. C'est aussi à l'image de sa population. C'est un pays où on a deux grandes communautés. On a une communauté arabe et une communauté noire. La communauté donc arabe, beaucoup plus évidemment proche culturellement de
l'Afrique du Nord, particulièrement le Maroc, où on trouve d'ailleurs souvent les mêmes tribus, et la population, la communauté noire, plus proche culturellement, évidemment, de populations sénégalaises et maliennes. Donc, je vous rappelle que la Mauritanie est frontalière au Sénégal et au Mali, au sud et au sud-est, de l'Algérie et du Maroc, donc au nord et au nord-ouest. La population noire mauritanienne elle-même, à son tour, est divisée en communautés, en communauté, oui, parce que je n'aime pas utiliser le terme ethnie, qui a d'autres connotations pour moi, en langage colonial que je ne voudrais pas reproduire ici. Il y a ce qu'on appelle d'abord le Peul, ou bien le Halpularen. Il y a ce qu'on appelle le Soninké et le Wolof. D'ailleurs, toutes ces communautés, on les trouve souvent dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal et au Mali. Maintenant, la littérature mauritanienne, elle est très jeune par rapport aux pays qui nous entourent. Vous n'êtes pas sans savoir que des pays comme le Sénégal, le Mali, l'Algérie, le Maroc ont développé une littérature francophone assez dynamique bien avant l'indépendance. Au Maroc, pour ne donner qu'un simple exemple, des écrivains comme Dishraibi. En Algérie, on a Kateb Yassine. Au Sénégal, on ne les présente plus avec Senghor. Au Mali, avec Yambo Legon, par exemple, de voir des violences. Tous ces pays ont développé bien avant l'accession à l'indépendance, une littérature forte, une littérature dynamique, avec des auteurs qu'on connaît partout. Quand on parle du Mali, on parle automatiquement à des œuvres comme Sous l'orage de Ségou Badian, qui est très connu. Au Sénégal, on connaît par exemple le fameux roman de Cheikh Aminou Kane, qui ne le connaît pas, L'aventure ambiguë, sans parler de Najma, de Kakeli Yassine, et bien entendu de toute l'œuvre de Dishraibi au Maroc, par exemple. En Mauritanie, jusqu'en 1965, il n'y avait aucun auteur francophone. Alors que le pays a accédé à l'indépendance, comme la plupart des pays colonisés par la France en 1960. Donc, évidemment, les écrivains mauritaniens n'ont pas participé à ce mouvement culturel et littéraire qui est la négritude. Parce que la négritude a vu le jour entre les deux guerres mondiales. À cette époque, il n'y avait pas donc de littérature mauritanienne francophone à proprement parler. Vous allez bien entendu me poser la question, pourquoi? Comment se fait-il qu'au nord et au sud de la Mauritanie, il y a eu une littérature francophone alors que la Mauritanie est l'échelon manquant? C'est simple et c'est complexe. Il faut dire que, je vais faire un peu d'histoire pour comprendre que la Mauritanie, si vous voulez, dans sa situation actuelle, n'existait pas. Le français, lorsque ils ont occupé cette partie de l'Afrique, ils ne se sont pas intéressés, si vous voulez, à la Mauritanie, enfin, parce que ça ne représentait pas un intérêt, un pays aux trois quarts désertique. Mais finalement, pour des raisons géostratégiques, la France a fini par coloniser la Mauritanie afin de relier ses colonies du nord et du sud de Sahara, pour que le Sahara ne soit pas une forme de no man's land. Donc, la France a occupé la Mauritanie sans, bien entendu, lui accorder une importance particulière. Il n'y avait pas de col digne de ce nom, contrairement au Sénégal. Et il n'y avait pas d'infrastructure digne de ce nom, contrairement aux pays de l'Afrique de l'Ouest. C'était tout simplement, si vous voulez, une garnison militaire, pour utiliser le vocabulaire pour sécuriser ses intérêts. Et
La première école française à Mauritanie ne date que de 1898. C'est bien entendu très récent. Je reviendrai là-dessus pour parler de la particularité de cette école. Mais avant de vous le dire, je reviens en arrière pour vous dire que la population mauritanienne elle-même n'était pas très intéressée par l'école française. Pour la simple raison que la communauté arabe mauritanienne avait déjà la langue arabe qu'elle maîtrisait. Elle écrivait l'arabe, elle faisait sa poésie en arabe, elle faisait sa grammaire en arabe. Et même pire, certains préjugés faisaient une confusion entre la langue française et la religion chrétienne. Dans leur entendement, l'arabe est lié à l'islam, donc le français est lié aussi à la religion chrétienne. Donc pour eux, apprendre l'arabe, apprendre le français, maîtriser le français, c'est une forme plus ou moins voilée d'évangélisation. Et donc, il y a eu un rejet catégorique contre la langue française qui, à leurs yeux, était certains même pas de langue mécriant. Donc, voyez, dans ces conditions, le français ne pouvait pas être une langue qui fascine ou qui fascinerait le Mauritanien, surtout la communauté arabe qui était à l'aise dans sa langue maternelle. Pour les populations du Sud, on peut dire aussi les choses comme ça, toute proportion gardée, parce que ces populations du Sud aussi avaient, certes, leur langue nationale, leur langue locale, qui sont des langues purement orales, donc qui ne sont pas des langues de tradition scripturale, mais en même temps, il y avait des érudits, il y avait des lettrés qui maîtrisaient la langue arabe. Ils ne voyaient pas aussi un certain intérêt à apprendre le français. Donc, il a fallu, si vous voulez, beaucoup de carottes et de bâtons de la part du colonisateur pour que sa langue soit imposée. Et la première école a eu donc lieu en 1898, vraiment une école en dents de scie, c'est comme ça que je l'appelle, dans une ville, le hasard fait des choses, puisque je suis originaire de cette ville qui s'appelle Kaïdi. Et c'est une école en dents de scie. Pourquoi je dis que c'est une école en dents de scie? C'est une école où les parents étaient obligés d'amener leurs enfants, et ce ne sont pas n'importe quels parents, ce sont les fils des chefs, comme partout, ou bien les fils, les otages. Parce qu'il fallait que les chefs locaux montrent le bon exemple. C'était à eux d'envoyer leurs enfants à l'école française. Sauf que cette école, lorsque les travaux des champs, les travaux champêtres commençaient, les parents venaient récupérer leurs enfants pour aller travailler dans les champs et l'école s'arrêtait. Et bien entendu, dans ces conditions, l'école ne pouvait pas terminer le programme, l'école ne pouvait pas former convenablement les élèves. Et pire aussi, j'allais dire, les enseignants qu'on envoyait dans cette école, ce ne sont pas les meilleurs. C'était juste des moniteurs qui avaient un niveau plus ou moins acceptable en langue française. Du coup, cette école a évolué pendant des années avec des élèves ayant des niveaux, j'allais dire, moins, pour ne pas dire médiocres. Malgré tout, l'expérience a continué. On a fini par avoir des écoles dans plusieurs localités, d'abord du sud, Kaïdi, Bogué, Magama, Rosso. Et ensuite, dans ce que j'appelle les pays morts, quand on dit mort en Mauritanie, c'est la population arabe. Mort, MAUEE. D'ailleurs, même en espagnol, on parle aussi de mort, de Maurès. Parce que quand j'ai lu le site de Corneille, on parle de Maurès.
Et dans les pays nord aussi, pratiquement, surtout à Boutelmite et à Attard, il y a eu des écoles de langue française et petit à petit, on a commencé à avoir une école qui une école qui a formé des élèves avec un niveau plus ou moins acceptable. Donc, c'est avec certaines promotions qui sont parties à l'école William Ponty. L'école William Ponty, c'est l'école qui formait, si vous voulez, les premiers cadres ouest-africains colonisés par la France. Les premiers grands cadres de l'Afrique de l'Ouest ont été formés à l'école William Ponty. Et cette école a pu accueillir certains écrivains mauritaniens. J'allais dire certains élèves mauritaniens qui allaient devenir des écrivains. Parmi eux, le premier auteur mauritanien. Donc là, je vais, après cette présentation historique, je vais rentrer dans le vif du sujet pour parler de la littérature mauritanienne. Cette école a formé beaucoup de jeunes ouest-africains, togolais, béninois, ivoiriens, maliens, et ainsi de suite. Et un mauritanien, Oumar Ba, a fréquenté cette école. Et le hasard a voulu que Oumar Ba soit le premier mauritanien à avoir produit une œuvre littéraire. La littérature mauritanienne de langue française, donc, elle est née en 1965. La première œuvre mauritanienne, elle est née en 1965. Alors que au Sénégal, par exemple, rien que pour Senghor, en 1947, si ma mémoire est bonne, il y a eu Chant d'ombre de Léopold Sédar Senghor. Alors, je vous parlerai donc des trois principaux genres pratiqués par les auteurs mauritaniens, la poésie, le théâtre et le roman. La poésie est le premier genre pratiqué par les auteurs mauritaniens. Et vous avez cité tout de suite ma biographie. Je ne sais pas si avec ma caméra, vous pouvez voir. J'aborde cette question dans mon premier ouvrage. Vous l'avez cité, Éléments de la littérature mauritanienne de langue française. Donc, Oumar Ba. Il est né, je crois, en 1918, si ma mémoire est bonne. Il a fréquenté l'école William Ponty, mais aussi c'est un érudit qui maîtrisait l'arabe. Il a une agrégation en arabe. Il a traduit le Coran de l'arabe vers sa langue maternelle qui est le polar. Il a traduit d'ailleurs. L'un de ses premiers recueils de poésie s'appelle Poème Peul Moderne. Poème Peul Moderne. Comme le titre l'indique, il s'agit dans un premier temps de poèmes dans sa langue maternelle, la langue polar, que le poète a, je ne veux pas le traduire, ce n'est pas le mot, mais que le poète a adopté en français. Son autre recueil, toujours en 1965, c'est Paroles plaisantes au cœur et à l'oreille. Paroles plaisantes au cœur et à l'oreille. C'est très beau. En même temps, dans sa langue maternelle, le polar, la poésie est définie comme ça. La poésie, c'est quoi dans la langue polar? C'est des paroles qui sont agréables au cœur et à l'oreille. Et vous voyez donc l'influence de la langue maternelle sur Oumar Ba dans sa production francophone. Ensuite, Oumar Ba, après Oumar Ba,
il va avoir, si vous voulez, l'émergence de toute une génération de poètes. Mais pour la clarté de mon exposé, cette poésie, j'aimerais la subdiviser en deux principales thématiques. Je dirais que la poésie mauritanienne de langue française est divisée en deux principales thématiques. Il y a ce qu'on appelle, il y a ce que moi j'appelle dans ma classification, ce que j'appelle la poésie de la négritude. Pourquoi la poésie de la négritude? Parce que c'est des poètes qui, bien vrai que leurs poèmes soient écrits après l'indépendance, en tout cas soient publiés après l'indépendance ou même soient publiés après la négritude, c'est des poèmes qui épousent, si vous voulez, le combat des chants de la négritude. C'est des poèmes, lorsqu'on les lit, on voit nettement l'influence de Senghor, on voit nettement l'influence de Césaire, on voit nettement l'influence de Contrat Damas, c'est-à-dire, si vous voulez, les trois chantres de la négritude. Cette poésie de la négritude, si vous voulez, est représentée par deux poètes principaux, ou trois à la limite. Il y a Jibril Sall. Jibril Sall, dont la poésie est intimement liée à la poésie de Césaire. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est par hasard, une fois, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, Monsieur Sall, vous vous êtes beaucoup inspiré du cahier de retour d'un pays natal de Césaire pour écrire votre poésie. Il me dit, Monsieur Girana, en écrivant mes poèmes, je n'avais pas encore lu Césaire. Ça m'a paru un peu bizarre, tellement que la ressemblance est frappante dans l'œuvre poétique de Jibril Sall et celle de Césaire. J'appelle cette poésie « Poésie de la négritude », d'autant plus que Jibril Sall, lorsqu'il écrivait, lorsqu'il a commencé d'écrire, comme tout jeune poète, il a commencé sur le banc de l'école et il imitait le poète français. Il imitait le Victor Hugo, il imitait le Vigny, il imitait le Musset, c'est-à-dire qu'il faisait de la poésie classique. Il faisait de la poésie versifiée. Et lorsqu'il a écrit ses premiers poèmes, il les a envoyés à Senghor, qui était encore président de la République du Sénégal. Senghor a lu le poème et il a dit, c'est bien, mais je vous conseille d'abandonner la rime pour se consacrer à la poésie négro-africaine qui est rythme. Et à partir de ce moment-là, Jibril Sall va abandonner la poésie, j'allais dire classique française, pour s'adonner à la poésie négro-africaine. Il n'y a plus de versification, il n'y a plus de strophes selon la versification française, selon la métrique française, mais c'est plutôt les rythmes internes, c'est plutôt les versets, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et depuis lors, Jibril Sall écrit cette poésie que j'allais appeler poésie vers libre, ou la poésie, si vous voulez, libérée de toutes ces contraintes formelles. Poésie de la négritude aussi, parce que d'abord, c'est une poésie qui défend, si vous voulez, les valeurs de l'homme noir. Et évidemment, en 1965, il n'y avait pas de pays où de l'Afrique de l'Ouest encore colonisée, mais il y avait un peu partout en Afrique de guerre de libération, surtout en Afrique australe. Et il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, Jibril Sall, d'ailleurs, il a un recueil de poèmes qui s'intitule Soweto. Jibril Sall est devenu un poète engagé pour défendre l'homme noir
opprimé partout dans le monde. En Afrique du Sud, aux États-Unis d'Amérique, il a écrit beaucoup de poèmes sur Harlem, sur, vous voulez, tous les combattants noirs américains. Mais aussi, même s'il ne le dit pas de façon explicite, quand on lit l'œuvre poétique de Jules Sall, il y a une allusion certaine à son propre pays, la Mauritanie, comme je le disais tantôt dans ma présentation, que c'est un pays biracial, c'est un pays multiethnique, c'est un pays multiculturel, c'est un pays où d'un côté on a la communauté arabe et de l'autre côté on a la communauté noire. Même si le pays est musulman à 100%, il y a même encore des frictions, il y a une cohabitation difficile. Je reviendrai sur cet aspect lorsque je vais parler du roman. Il y a une cohabitation difficile entre la population mauritanienne ou la population noire particulièrement se sentent marginalisées, pour ne pas dire se sentent discriminées par la communauté arabe. Jules Sall aborde cette question de façon implicite dans son œuvre poétique. D'ailleurs, une fois dans le colloque, il a dit, si je parle de l'Afrique du Sud, si je parle de la situation de Noirs en Afrique du Sud, si je parle de la situation de Noirs aux États-Unis d'Amérique, c'est aussi quelque part parce que je veux parler de la situation de Noirs en Mauritanie. À côté de Jibril Sall, il y a un autre écrivain que j'appelle aussi, lui, il revendique carrément, si vous voulez, l'influence de Césaire sur son œuvre poétique. Il s'appelle Hassan Diallo. Hassan Diallo, d'ailleurs, dans son premier recueil de poèmes s'appelle Leïdam. Leïdam, c'est une expression poulard de sa langue maternelle qui veut dire ma terre, qui veut dire mon pays, qui veut dire mon terroir. Donc, regardez, Leïdam, il y a, j'allais dire, même une allusion cahier de retour au pays natal de Césaire. Et Hassan Diallo, donc, qui est décédé, je pense, il y a 2 ans, il revendiquait sans ambages, si vous voulez, l'appartenance de la Mauritanie à la communauté négro-africaine et sa poésie, donc évidemment, épouse le thématique cher à la poésie de la négritude, le retour aux sources, la rivalisation des valeurs de l'homme noir, une indépendance totale. D'ailleurs, l'anecdote, parce que je connais tout ce beau monde, Hassan Diallo, pardon, il était, si vous voulez, très, très critique à l'égard de Senghor, en disant qu'à la limite, Senghor, il est très proche de Français, que Senghor, à la limite, était, entre guillemets, l'élément de Français, contrairement à Aimé Césaire, qui était beaucoup plus vindicatif dans ses revendications pour la rivalisation de valeurs de l'homme noir. Et le troisième poète que je peux mettre dans ce sillage de la négritude, il s'appelle Youssouf Gueye. Quel est Youssouf Gueye? Youssouf Gueye, c'est un auteur particulier, je reviendrai là-dessus. C'est peut-être le seul écrivain mauritanien qui aura touché à tous les genres. Il est poète, il est romancier, il est dramaturge, il est essayiste, je dirais qu'il est historien, en tout cas, il est chroniqueur de l'histoire mauritanienne. Il n'est pas aussi engagé au niveau de la littérature, en tout cas dans sa thématique, comme Jibril Sall et Hassan Diallo, mais quand on lit son œuvre poétique, et particulièrement l'œuvre, le recueil appelé Sahélien, on sent qu'il y a aussi un ancrage très profond dans la culture africaine. L'ironie de sort, c'est que Youssouf Gueye, il est mort, malheureusement, dans des conditions atroces, puisqu'il était détenu dans une prison pour des raisons politiques, et puis après des raisons de maltraitance, il va finir
par mourir dans des conditions difficiles, loin des saints, dans. Voilà. Donc, finalement, ce qu'il ne dit pas de façon explicite dans son œuvre, il l'a vécu. Hein? Il a été un homme engagé politiquement, mais en même temps un homme modéré. Et d'ailleurs, qui a représenté la Mauritanie dans plusieurs institutions internationales, dont les Nations Unies, si je ne me trompe pas. Évidemment, ce n'est pas pour me faire de la publicité, mais vous allez avoir une présentation très, j'allais dire, très développée de toute cette poésie dans le premier ouvrage que j'ai écrit, je pense, je ne sais plus, en 2007, je pense, que vous pouvez trouver facilement parce que c'est publié en France chez l'Harmattan. Donc, je récapitule, il faut que je voie aussi l'heure pour que je puisse aborder les autres thématiques. Je résume. La poésie mauritanienne, la première tendance, c'est ce que j'appelle la poésie de la négritude incarnée par Jibril Sall, Hassan Diallo et Youssouf Gueye. Maintenant, il y a une deuxième tendance que j'appelle poésie de dialogue, poésie lyrique, poésie sentimentale, poésie amoureuse, mais nommée de pourvu d'engagement, bien entendu. C'est la poésie de Omar Ba, donc le doyen, le premier poète mauritanien, mais c'est aussi la poésie de Ousmane Moussa Diagana, ce n'est pas moi, hein, on a le même nom de famille, Ousmane Moussa Diagana, qui est un grand poète, qui était aussi mon aîné à l'université, il était professeur de linguistique, professeur de littérature orale. Et la poésie de Ousmane Moussa Diagana et la poésie de Omar Ba, sans entrer dans les détails, je dirais que c'est des poésies de dialogue. Dialogue entre les cultures, dialogue entre les civilisations, dialogue entre les poésies. Parce que tous ces deux poètes s'inspirent aussi bien de la poésie mauritanienne dans sa diversité linguistique, mais aussi et s'inspire de poètes de tous les horizons. Omar Ba, il le dit carrément, il dit que lui, il a subi et il assume l'influence de poètes romantiques. Il le dit. Il dit que j'aime Lamartine, j'aime Musset, j'aime Vigny, j'aime Hugo. Il le dit clairement. Et dans sa poésie, parfois d'ailleurs, on trouve des sonnets, on trouve des poésies versifiées. Alors que chez Ousmane Moussa Diagana, l'allusion ou bien les références ou bien les similitudes avec la poésie de Louis Aragon sont claires. Les yeux d'Elsa, on le trouve pratiquement dans sa poésie, mais aussi des allusions à d'autres poètes lointains, comme le poète malgache Jacques Rabanjara, ou bien des poètes arabes, des poètes cubains. Donc c'est une poésie intertextuelle et pour tous ceux qui seront intéressés, je donnerai après une bibliographie sur les travaux que j'ai fait sur la poésie de Ousmane Diagana, où on voit le rapport entre sa poésie et la poésie de Senghor, le rapport entre sa poésie et la poésie de Jacques Rabanjara, et aussi d'autres poètes, et même d'autres chanteurs. Par exemple, la chanteuse Oumé Kassoum, il y a 2 ans, j'ai encadré un étudiant pour son master qui a travaillé sur l'altérité dans la poésie de Ousmane Moussa Diagana, où il fait ressortir vraiment de façon impressionnante les rapports, l'influence implicite ou explicite de certains artistes, peintres ou musiciens sur la poésie de Ousmane Moussa Diagana. Alors, je vous fais parvenir les références complètes de son œuvre, bien entendu, pour ceux qui sont intéressés. C'est une poésie passionnante, c'est une poésie facile à lire au niveau de la superficialité, mais en même temps, comme j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, pour mieux rentrer vraiment dans la poésie de Ousmane Moussa Diagana, il faut briser l'os pour pouvoir profiter de la substantifique moelle. Voilà, donc
Bien entendu, il y a d'autres poètes mauritaniens. Le temps ne permet pas, bien entendu, de développer des poèmes, des poètes comme Bios Diallo, comme Mamadou Lamine Kane, et bien entendu, tant d'autres, tant d'autres. Là, je dis que je fais juste une introduction, et si on aura d'autres occasions, je vais développer chacun de ces aspects. Le deuxième genre littéraire pratiqué par les écrivains mauritaniens, c'est le théâtre. Là aussi, le théâtre a subi l'influence du théâtre africain. Le théâtre mauritanien n'a vu le jour qu'en 1975. C'est récent. La première pièce théâtrale est l'œuvre de Youssouf Gueye. Hein, on en a parlé tout de suite. J'ai dit que c'est vraiment l'écrivain polyvalent par excellence. Ça s'appelle. Ça s'intitule Les exilés de Goumel. Les exilés de Goumel. Ensuite, ils ne sont pas nombreux, les dramaturges mauritaniens. Quand je commençais mes travaux, ils étaient en tout et pour tout trois dramaturges. Youssouf Gueye, Moussa Diagana, à ne pas confondre avec Ousmane Moussa Diagana, sont tous cousins. Ousmane Moussa Diagana, c'est le poète. L'autre, c'est Moussa Diagana. Il est dramaturge. Il a écrit, sans doute, à mon avis, la pièce de théâtre, je dirais pas la plus connue, en tout cas, l'une des plus connues du théâtre africain, intitulée La légende du Ouagadougou, vue par Siaya Tabéré. Mais cette pièce d'ailleurs, vous pouvez trouver la version film. Elle a été adoptée à l'écran par le grand réalisateur burkinabé Damy Kouyaté. Et cette pièce adaptée à l'écran est devenue Les rêves du Python. Le rêve du Python, le Python, le serpent. Et il a eu, à mon avis, je pense, le meilleur prix des lignes des éditions du FESPACO. Le FESPACO, donc, c'est ce festival de cinéma africain qui a lieu régulièrement à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et cette pièce aussi, d'ailleurs, La légende de Ouagadougou, vue par Siaya Tabéré de Moussa Diagana, a remporté en 1988 le Grand Prix théâtral interafricain organisé par Radio France Internationale. C'est une pièce très émouvante. J'aurais bien voulu aborder, puisque c'est l'histoire de la communauté soninké, qui, chaque année, était obligée de sacrifier à leur Dieu, puisqu'on était encore au temps de l'animisme, était obligée donc de sacrifier chaque année à leur Dieu, qui est un serpent, la plus belle fille du royaume, de l'empire. Cette fille devait être la plus belle, elle devait être de la classe dirigeante, ce qu'on appelle donc, et elle devait être vierge. Et en retour, les serpents faisaient pleuvoir de l'eau et de l'or sur l'impure. Jusqu'à un moment où Sia, une jeune fille belle, noble, vierge, a été choisie pour être sacrifiée, alors son fiancé ne l'entendait pas de cette oreille et le fiancé, bien entendu, a tué le serpent qui avait sept têtes. Le serpent avait sept têtes. Lorsque il a tué, avant que la septième tête du serpent ne soit tranchée, le serpent dira que pendant 7 ans, 7 mois, 7 jours, vous n'aurez pas une seule goutte d'eau sur votre empire. En commun, l'or et l'empire vont connaître une dislocation. Mais bien entendu, c'est une légende. Les versions sont différentes et sont divergentes. C'est un débat passionnant qui oppose plusieurs camps et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion vraiment de venir aborder cette pièce de façon plus approfondie et ça me tient à cœur. Et la troisième pièce que je vais aborder rapidement, et l'œuvre d'Abdul Ali Ouar.
Abdul Aliouar. Cette pièce s'intitule Génial Général Président. J'aurais pu préparer une forme de diapo pour montrer tout ça, mais bon, je n'avais pas pensé. Génial Général Président. C'est une pièce qui parle de la dictature. Si vous voulez, récente de la Mauritanie. C'est sur la Mauritanie contemporaine. Donc, mais ma conclusion rapide sur ce genre théâtral mauritanien, c'est que ce soit Kémissou Gueye, que ce soit Moussa Diagana, que ce soit Abdou Ar, il y a une conjonction. On parle tous de la Mauritanie en ce moment de son existence. L'histoire, ses écrivains, ses dramaturges partent de l'histoire pour amener, si vous voulez, les dirigeants à réfléchir dans la gestion quotidienne du pouvoir. Quelque part, partout, que ce soit chez Moussa Diagana, ou Kémissou Gueye, ou chez Abdul Ali Ouar, il y a, si vous voulez, des abus exercés par les tenants du pouvoir. Malheureusement, encore, on est tenu par l'impératif du temps et que je ne peux pas rentrer dans la quintessence de toutes ces œuvres. Le roman mauritanien, c'est le dernier genre à avoir vu le jour parmi ces trois grands genres littéraires. C'est seulement en 1983, seulement, que nous avons vu le premier roman mauritanien. C'est encore, si vous voulez, l'œuvre de Youssouf Gueye. Ce roman s'intitule Rella ou le voix de l'honneur. Rella, qui est le nom de l'héroïne, le personnage principal, la figure principale. C'est un roman qui aborde, si vous voulez, le mariage dans une communauté, mais au-delà du mariage, c'est l'occasion de romancer, si vous voulez, de brosser un tableau de toute sa communauté sur des problèmes, j'allais dire, sociaux, sur des problèmes anthropologiques, sur des problèmes d'ethnie. D'ailleurs, dans mes premiers travaux, j'ai tout simplement qualifié ce roman de roman ethnographique. Bien entendu, c'est un peu réducteur et qu'on pouvait déborder pour développer d'autres thèmes. Et ce roman s'appelle, c'est le premier roman mauritanien qui s'intitule Rella ou le voix de l'honneur. Et dans ma classification, d'ailleurs, qui date de quelques temps et que maintenant je suis en train de revoir, les premières œuvres mauritaniennes, je dis que Rella est une œuvre ethnographique, comme d'ailleurs d'autres œuvres. Par exemple, un roman intitulé Le dernier de nomades de El Hassem El Hamedou. Le dernier de nomades, même si on voit le titre, ça nous rappelle par exemple Le dernier de Mohican. C'est comme si il y a un danger de la part de l'auteur de voir disparaître, le nomadisme qui est pourtant l'une des marques d'une certaine Mauritanie. Et il y a un autre roman intitulé « Au îlot de peine dans un océan de sable »,« Au îlot de peine dans un océan de sable » de Guy Ben Amar, qui aussi parle, si vous voulez, du nomadisme en Mauritanie, mais au-delà de la question du nomadisme chez El Rassem et chez Guy, et au-delà de la question du mariage chez Youssouf Gueye, tous ces auteurs, si vous voulez, profitent pour brosser un tableau de leur communauté respective. Le deuxième type de roman, dans ma classification, je parle de trois types de romans en Mauritanie. Les romans ethnographiques, je viens de l'aborder. Il y a les romans d'esclavage. Ce que j'appelle le roman d'esclavage, pour vous, Européens, ça peut vous surprendre, mais je dois vous expliquer
vous n'êtes pas peut-être sans savoir avec l'actualité, que la Mauritanie est souvent citée pour des problèmes de pratiques esclavagistes. Et beaucoup de romanciers abordent aussi cette question d'esclavage, où une certaine communauté exploite une autre communauté qui, aujourd'hui, dans le langage officiel, on dit que l'esclavage n'existe pas. On parle de survivance des séquelles de l'esclavage. Toujours est-il que beaucoup d'écrivains mauritaniens abordent cette question d'esclavage. Les titres, par exemple, qui me viennent à l'esprit, il y a Les Résignés d'Ahmed de Yacoub Khattari. Il y a, par exemple, Mohamed Baba, qui a écrit un roman qui s'intitule Bilal. D'ailleurs, le titre, je l'aime bien. Bilal, si vous connaissez un peu l'histoire de la religion musulmane, Bilal, c'était cet homme noir qui était un compagnon du prophète Mohammed et qui est d'ailleurs le premier à avoir fait le muezzin. Donc, dans l'entendement de certaines croyances mauritaniennes, ou même d'ailleurs musulmanes de façon générale, il y a un rapport synagogique entre Bilal et l'esclavage. Donc, après l'aspect ethnographique, la question de l'esclavage est une question récurrente dans le roman mauritanien d'expression française. Beaucoup d'auteurs, beaucoup de romans abordent cette question. Et bien entendu, je vous ferai parvenir la classification. Vous avez cité Virgin tout de suite dans ma présentation un article que j'ai publié dans Intercultural Francophonie, qui le titre, je pense, La longue marche du roman mauritanien. La longue marche du roman mauritanien, où j'aborde d'ailleurs les conditions de naissance de ce roman et les principales tendances, et vous allez voir les principaux romans qui abordent cette question d'esclavage. Et le troisième aspect de ce roman, c'est ce que j'appelle le roman de la cohabitation. Pourquoi le roman de la cohabitation? J'en ai parlé dans mon introduction. La Mauritanie est un pays de contact de population noire et arabe. J'utilise un vocabulaire très simple pour les non-initiés, parce que quand on est mauritanien, on parle encore d'autres termes beaucoup plus techniques. On parle parfois de négro-africains, de négro-mauritaniens, d'arabo-berbères, et ainsi de suite. Bon, comme le public qui est en face de moi, qui m'écoute, n'est pas un public initié à la sémantique utilisée en Mauritanie, je prends tout simplement les termes noirs et les termes arabes pour ne pas compliquer les choses. Donc, le roman de la cohabitation, c'est un roman qui met l'accent sur le problème du vivre ensemble entre la communauté arabe et la communauté noire mauritanienne. Et ce déficit de vivre ensemble va atteindre son apogée en 1989. En 1989, il y a eu un conflit entre la Mauritanie et son voisin du sud, le Sénégal. Et ce conflit, certains diront, pour que je garde toute mon objectivité de chercheur, donc moi, je ne parlerai pas de mon opinion, je parle tout simplement de ce qui a été écrit par les auteurs. Certains écrivains diront, mais je sais, c'était beaucoup d'observateurs et tout, mais ce n'est pas mon propos. Je n'ai pas de roman. On dira qu'une grande partie, en tout cas une partie de la population mauritanienne, a été victime, c'est-à-dire les Noirs mauritaniens, ont été victimes de ségrégation, de discrimination et même de racisme de la part de la communauté arabe qui est au pouvoir pour déporter cette population, en tout cas une partie de cette population, vers le Sénégal et le Mali, en faisant de, tout simplement des apatrides, ainsi de suite. Et beaucoup de romans abordent cette question de cohabitation entre Noirs mauritaniens
et arabe mauritanien. Pour ne vous citer qu'un exemple que vous pouvez trouver rapidement, bien entendu, je ne cite pas tout le roman. Par exemple, le roman qui me vient à l'esprit, vous pouvez prendre par exemple le roman de Diouf Diallo, Une vie de Sébile. Une vie de Sébile. Je donne des titres que vous pouvez trouver facilement publiés en France. Une vie de Sébile, mais aussi d'autres écrivains comme Oumar Diagne, et ainsi de suite. Sans développer tout ce. Je regarde l'heure, puisqu'il faut qu'on fasse un peu de débat. Je ne peux pas finir ce roman maintenant sans parler, si vous voulez, de nouvelles tendances du roman mauritanien. Les nouvelles tendances du roman mauritanien, je suis sûr qu'en tant qu'espagnol, puisque je sais qu'il vient d'être traduit même en espagnol maintenant, il y a un écrivain mauritanien maintenant qui est très célèbre, qui est très connu. Vous ne m'avez pas entendu parler de lui, c'est Beyrouk. Beyrouk, qui a même eu, il y a quelques années, le prix Amadou Kourouma, avec son roman Les tambours d'alarme, qui a été cité, qui a été nommé, moi je dis nommé, je ne parle pas de nominé, dans plusieurs prix. Il a écrit Et le ciel a oublié de pleuvoir, c'est son premier roman, Et le ciel a oublié de pleuvoir. Il a écrit Les griots de l'émir. Il a écrit, par exemple, donc Le tambour de l'arme. Il a écrit Je suis seul. Dans ce mois de mars, je pense, entre mars et février, mars, il vient de sortir deux romans, Paria et Le silence des horizons. Il devient un auteur prolifique, un auteur célèbre. C'est pas un écrivain, c'est pas un romancier que je veux mettre dans le roman ethnographique ou dans le roman d'esclavage ou dans le roman de cooptation, bien que la question de l'esclavage soit abordée dans son roman, surtout dans le premier, et bien que son roman, son œuvre de façon générale, soit situé dans le Sahara, mauritanien, un roman saharien, on peut. Mais ce qui m'intéresse beaucoup chez Beyrouk, c'est moins l'aspect fond que l'aspect statistique, l'écriture, les styles lui-même devient, si vous voulez, une thématique dans l'œuvre de Beyrouk. Incontestablement, il fait partie maintenant des grands écrivains africains, connu un peu partout dans le monde. Son œuvre, enfin, certaines de ses œuvres sont traduites en anglais. Et ce que, il n'y a pas longtemps, l'un de ses romans vient d'être traduit en espagnol et que vous pouvez trouver facilement. Voilà, rapidement, puisque je vois qu'il est pratiquement 10h ici et donc 11h chez vous. Vous m'avez dit 45 minutes d'exposé, je crois que j'ai dépassé. Mais le plus important pour moi, c'est, si vous voulez, ce sont les échanges qui vont venir. Et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Et je m'excuse d'abord d'avoir pas fait de projection pour montrer tous ces titres et de parler souvent rapidement, puisque la population, les étudiants ne sont pas forcément des francophones et que peut-être ils ont du mal à me suivre. Mais en tout cas, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci infiniment, Monsieur Diagne. C'était vraiment une conférence très enrichissante parce que moi, de mon côté, je pars presque d'un point zéro. Donc, je connaissais toutes les œuvres que vous avez citées, du Maroc, de l'Algérie, etc., etc. Mais c'est vrai que malheureusement, la littérature mauritanienne d'expression française est une grande oubliée. Et j'espère qu'avec cette conférence, ce sera le début de la fin, dans le sens où on va commencer justement à pouvoir vraiment étudier et admirer cette littérature qui m'a l'air très, très intéressante, en tout cas. Voilà. Alors, merci. Nous allons faire donc place aux questions. J'ai eu des personnes qui m'ont aidé à relever tout ce que vous m'avez dit par rapport aux auteurs cités et aux œuvres. Donc, ne vous inquiétez pas, on a fait ça au fur et à mesure ensemble. Donc, c'est pas un souci. Voilà. Alors, merci alors. Voilà, oui, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là, ça a été.
Alors, les élèves ou les collègues, est-ce qu'il y a des questions donc pour Mbouceta par rapport à ce qu'il expliquait ou d'autres questions? Vous pouvez ici mettre votre petite main pour participer. Alors Fanny, voilà, je te cède la parole. Merci. Alors bon, avant tout, un grand merci. Bon, c'était un petit peu assommant et je pense encore plus pour nos élèves. Vous nous avez donné tellement d'informations par rapport à toute cette littérature que merci beaucoup pour tous ces auteurs. Il faudra qu'on commence à les lire et à les étudier. Donc, je voulais vous demander, comme vous parlez justement, de deux cultures présentes en Mauritanie, la littérature d'expression française, selon ce que j'ai compris, selon ce que vous avez exposé, prend plutôt une tendance de la littérature de la négritude, non ? Plutôt que de littérature... Enfin voilà, de type du Maghreb plutôt, puisque souvent dans la littérature francophone, on distingue bien la littérature francophone du Maghreb et la littérature francophone de la négritude. Donc, je ne sais pas si les Mauritaniens, quand ils choisissent la langue française, ils ont plus tendance à écrire une littérature. Comme vous avez parlé plus de littérature d'esclavage, de littérature ethnographique, j'ai l'impression que c'est plus la tendance Afrique du Sud. C'était ma question. Ça m'intéresse, comme il y a vraiment deux cultures existantes, qui prend la langue française pour exprimer quel type en fait de littérature. Voilà. J'ai bien compris la question. Est-ce qu'on répond au fur et à mesure ou bien on prend un ensemble de questions? Qu'est-ce que vous voulez? Ça dépend de vous. Oui, au fur et à mesure, ce sera bien comme ça. Oui, donc Fanny, la question elle est pertinente. Dans la mesure que j'ai dit, c'est un pays où on trouve deux cultures différentes. Effectivement, moi j'ai beaucoup travaillé sur cet aspect, à savoir, est-ce que la littérature mauritanienne est-elle une littérature négro-africaine dans le sens où elle est orientée vers la littérature de l'Afrique subsaharienne, ou bien elle est beaucoup plus tournée vers la littérature maghrébine. Bien évidemment, les premiers écrivains mauritaniens, c'est des écrivains noirs, puisque c'est là où c'est dans les régions du sud où il y a eu l'école française. Tous ces premiers auteurs que j'ai cités, Omar Ba, Jibril Sall, Hassan Diallo, c'est des écrivains poulards, donc beaucoup plus tournés vers le Sénégal et qui ont subi, bien entendu, l'influence du Sénégal et de Senghor particulièrement. Donc, leur écriture est beaucoup tournée vers la négritude. Ça, c'est incontestable. D'ailleurs, il y a même des grands critiques littéraires qui font la confusion, parfois en classant Omar Ba comme étant un écrivain sénégalais. Dans ma thèse, j'ai bâti en brèche ces idées. Par exemple, un grand critique littéraire qui s'appelle Robert Cornevin, qui a dit qu'Omar Ba était sénégalais. J'ai montré que non, il n'était pas sénégalais, même si, bien entendu, on ne peut pas nier l'influence du Sénégal sur sa production. Surtout dans la poésie. La poésie mauritanienne, à ma connaissance, c'est une poésie pure roman. Je ne dis pas de la négritude, mais c'est une poésie noire. En tout cas, la poésie qui est écrite en français. Par contre, depuis quelque temps, surtout avec Beyrouk, le roman beyrouquin n'est pas un roman, si vous voulez, ancré dans le milieu négro-africain. Je ne dirais pas que c'est un roman maghrébin, mais c'est un roman, j'allais dire, saharien. Le Sahara, en tant qu'une vaste zone géographique qui déborde les frontières coloniales. Dans le cadre de mes enseignements de master, j'ai un cours que j'appelle la littérature régionale, où j'essaie de montrer qu'on doit dépasser désormais cette classification littérature négro-africaine, littérature maghrébienne, parce que, comme vous le savez, dans nos pays, les frontières ont été tracées à la règle par le colonisateur. Une partie de la Mauritanie
a la même culture qu'une autre partie du Sénégal. Le sud de la Mauritanie est très proche culturellement, socialement, anthropologiquement du Sénégal. Et une autre partie, le nord de la Mauritanie, est très proche ou de l'Algérie ou du Maroc. Donc, vous voyez, ce pays n'est pas ricoché sa littérature et forcément aussi proche de la littérature subsaharienne que de la littérature maghrébine. Et aujourd'hui, dans certaines œuvres, on essaie de trouver la présence à la fois maghrébine et ethnographicaine, mais encore, comme vous l'avez pertinemment remarqué, au début, c'était une littérature qui était seulement tournée vers l'Afrique subsaharienne parce que les écrivains francophones étaient aussi tout simplement connectés vers le monde ethnographicain. Merci beaucoup. Je voudrais, excusez-moi, je vis sur mon écran donc qu'il y a mon ancien étudiant devenu mon collègue Ndiaye Kane, je crois que j'ai vu son nom sur l'écran, je tiens à le saluer ici. Il fait partie des premiers étudiants que je formais, que j'ai enseigné, que j'ai encadré. Il a fait donc sa spécialisation sur la littérature mauritanienne. Il a fait sa maîtrise avec moi à l'université de Nouakchott. Après, il a fait une thèse au Maroc et en France. Et il vient d'être recruté à l'université de Nouakchott. Il travaille avec moi au même département. Donc, vous voyez, la jeunesse vient et ça va nous permettre, nous de vieux, entre guillemets, de passer à autre chose maintenant. À toi, Gilles Sali. Je ne sais pas s'il nous entend. En tout cas, il nous met des liens très intéressants dans le chat. Donc, moi, je regarde. Je ne sais pas s'il peut prendre la parole. Oui, je ne sais pas s'il écoute. Il doit écouter, c'est sûr, parce qu'il m'a aidé à chercher justement. Enfin, il les connaissait, bien évidemment, lui. Il est un auteur. Ouais. Mais je ne sais pas s'il peut prendre la parole. Ndiaye, si vous êtes là, manifestez-vous. Ah, voilà. J'étais en mode sous-marin. Bonjour à toutes et à tous. Merci Diagana pour cette présentation. On apprend toujours sur la littérature en vous écoutant. Effectivement, je fais partie de cette première promotion qui a eu l'enseignement de la littérature francophone. Au programme à l'université de Nouakchott. Donc, j'ai été encadré, comme il dit, par lui. Et même en thèse, il a suivi les travaux de recherche de près. Donc, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut ajouter de plus. Peut-être dire tout simplement, comme il a si bien dit, que la littérature italienne est une littérature très jeune, n'est-ce pas? Et les chercheurs et les critiques de par le monde sont si intéressés grâce à ces travaux, n'est-ce pas? Et à tous ces étudiants qui s'intéressent davantage à cette littérature. J'espère que du côté de l'Espagne, les étudiants vont s'y intéresser. En tout cas, c'est une très belle littérature. Donc, des ouvrages très intéressants à découvrir. Donc, chers étudiants qui écoute, n'hésitez pas à chercher les ouvrages, d'autant plus qu'ils sont plus disponibles un peu partout. Voilà. Merci beaucoup, Ndiaye, merci pour tout. En tout cas, mes collègues de littérature et moi-même, on va faire en sorte de donner à connaître cette littérature que j'imagine Fanny et moi-même, en tout cas, découvrons presque depuis le départ, aujourd'hui, ce matin, grâce à Mbusseta. Donc, ce sera le début d'un long chemin vers la connaissance de votre littérature, ça c'est sûr. Merci. Merci. Alors, Mbusseta. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre conférencier? Alors, je regarde si les petites mains qui se lèvent.
Alors moi, pendant ce temps-là, hein, avant que les élèves peut-être se motivent à prendre la parole, vous avez dit, si je ne me trompe, quand on parlait de poésie, n'est-ce pas, donc il y a une poésie de la négritude qui, j'ai noté, défend les valeurs de l'homme noir. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quelles sont exactement ces valeurs, s'il vous plaît? Alors, oui, ces valeurs, d'abord, c'est le retour aux sources, parce que il y avait un moment où il y avait une déclaration de l'Africain par rapport à sa culture ancestrale. Vous savez, Senghor, il disait, pour asseoir une véritable révolution, il fallait d'abord nous débarrasser de nos habits d'emprunt. De nos habits d'emprunt. Le poète mauritanien, ce poète de la négritude, pense que les Africains sont beaucoup influencés par beaucoup de modes de vie occidental qu'il fallait revenir. Et nos valeurs africaines aussi, c'est aussi, par exemple, surtout chez Jibrissal, il y a un phénomène que la femme blanche ne connaît pas, mais qui fait des ravages chez la femme noire, c'est ce qu'on appelle la dépigmentation. C'est quoi la dépigmentation? C'est de prendre des produits chimiques et essayer de changer la couleur de sa peau. Et maintenant, d'ailleurs, maintenant, c'est devenu même un problème de santé publique parce que ça cause beaucoup de problèmes de cancer de peau, ainsi de suite. Et, par exemple, Jibrissal, dans un poème Khessal, ça veut dire d'ailleurs éclaircissement de la peau, il exhorte la femme africaine à ne pas s'adonner à ses pratiques. Parce que le fait de vouloir supprimer sa couleur noire pour avoir un teint plus clair, c'est une forme de complexe. Et donc, il faut revenir aux valeurs africaines, aux valeurs prônées par Senghor dans son poème le plus célèbre, Femme noire d'ailleurs. Voilà, femme nue, femme noire. Et on n'a pas honte à avoir cette couleur noire qui n'est nulle part l'expression d'un primitivisme, j'arrive. Alors que on avait assisté à un certain moment à ce problème de dépigmentation de la peau. La valeur de l'homme noir, c'est aussi la solidarité, c'est le respect des droits de l'aîné, c'est le respect, si vous voulez, de tout ce qui fait que l'homme africain est en harmonie avec lui-même, et que l'Europe, l'Occident, de façon générale, ne doit pas être sa référence. On a nos références, on doit tirer donc nos valeurs de nos références ancestrales. Merci, merci beaucoup. D'ailleurs, oui, quand vous dites effectivement qu'il y a toujours un espèce de complexe qui se comprend, et j'espère que ce complexe va disparaître avec le temps le plus tôt possible. Ce que vous m'avez dit, ça m'a fait penser aussi au célèbre discours de Sarkozy lorsqu'il était à Dakar, je crois, si je me souviens bien, en 2007. Il y a une phrase qu'on connaît bien qui disait voilà, que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Qu'est-ce que vous en dites de cette phrase qui était très polémique et ça se comprend? Qu'est-ce que vous en dites? Parce que ça me paraît vraiment insultant presque de dire ça. C'est pas insultant, c'est insultant. Mais venant de la part de ce monsieur, ça ne s'y prend nullement. L'opportunisme politique, l'idéologie et tout cela. Mais moi, ce n'est pas lui qui m'intéresse. Je pense que beaucoup d'intellectuels africains ont répondu avec pertinence. Ils ont écrit des livres. D'ailleurs, il a essayé de se rectifier, mais bon, le coup est déjà parti. Mais moi, là où je voudrais répondre, ce problème de complexe a été déjà souligné, par exemple, par un grand intellectuel comme Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc. D'ailleurs,
les titres évocateurs, peau noire, masque blanc, c'est ce que le peuple mauritanien, notamment Jibrissal et Hassan Diallo, dans l'Eidam, comme je dis, l'Eidam, ça veut dire retour à mon pays, retour à mon histoire, retour à ma tradition, à mes traditions. Heureusement donc que les intellectuels africains ont pris conscience maintenant que les salis de l'Afrique n'est pas la Tour Eiffel ou bien, je sais pas moi, les Champs-Élysées, mais que notre salis, c'est aussi, c'est surtout en Afrique. Les discours de Sarkozy, je ne le commande pas, c'est juste tout simplement un discours, excusez-moi, de terme aberrant, c'est tout. C'est tout. Et bien, c'est très choquant. Croire que, et d'ailleurs, je profite, croire que l'histoire de l'Afrique a commencé avec la colonisation, c'est triste. C'est triste. Et merci de faire ces rapprochements pour vous. Bien avant Sarkozy, il y a ce grand intellectuel français qui s'appelle Théodore Monod, un biologiste qui est très connu, Théodore Monod, un naturaliste français, qui a dit que l'Afrique n'est pas une terre sans passé. L'Afrique n'est pas une terre sans passé. Elle est, je cite à peu près, puisque j'oublie la citation en tant que telle, c'est un continent qui est pourri de vestiges préhistoriques. On dit que le premier homme a vu le jour en Afrique. Et on peut dire, comment on peut dire que là où il y a eu le premier homme, dire que ce continent n'est pas suffisamment entré en histoire. C'est vraiment paradoxal. Ou bien il ne sait pas ce qu'on appelle l'histoire. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Je n'avais pas pensé effectivement à la préhistoire et tout ça, mais c'est logique, c'est dans la logique des choses. Hein. C'est vrai que c'est un argument qu'on ne peut pas réfuter. C'est... On peut parler de l'Afrique dès le début de l'histoire de l'homme, donc c'est vrai que c'est n'importe quoi, cette remarque de Sarkozy. Et là où il y a la culture, évidemment. Bien sûr, oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je regarde un petit peu dans le forum, si jamais, de voir dans le chat. Apparemment, ils ne sont pas... Je crois qu'ils sont timides, plutôt qu'autre chose. Alors, bah, moi, je vais continuer dans mes petites questions, parce que moi, je suis très intéressée. Je pense qu'eux aussi, mais voilà, c'est sûrement qu'ils sont victimes de timidité, j'imagine. Oui, j'imagine aussi. Alors, pourquoi, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle, effectivement, en littérature mauritanienne, on aurait commencé plutôt par la poésie, et après le théâtre, et puis finalement le roman? Parce que peut-être que la poésie est plus proche, je ne sais pas, de cette tradition orale, ou ça n'a rien à voir? Si. La poésie, parce que traditionnellement, culturellement, la poésie a existé. On a toujours notre poésie, alors que le roman, c'est quelque chose de moderne. La poésie n'avait pas besoin d'être écrite, alors que le roman, c'est un genre importé. Ça, c'est peut-être la première raison. La deuxième raison, vous savez, même le poète, la négritude, en tout cas, ce qu'on appelle la littérature africaine, les Senghor, Damas, Césaire, c'était d'abord des poètes. Et accessoirement, des dramatiques. Césaire avec la tragédie du roi Christophe et ainsi de suite, il est poète, ensuite dramatiste. Donc, la littérature mauritanienne a suivi aussi ces cheminements. Donc, vous voyez, l'influence de la négritude va jusque dans la chronologie de l'émergence des genres littéraires. Le théâtre aussi, même s'il n'existait pas sous cette forme, existait quand même. Dès que les gens se retrouvent, on improvisait une situation. Mais surtout, ce qui fait que, à mon avis, le théâtre soit le deuxième genre pratiqué par le Mauritanien, mais aussi par les Africains, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, que je connais le plus, c'est que l'école... J'ai beaucoup parlé de cette école qui s'appelle William Ponty. Dans cette école, il y avait une tradition. Lorsque les élèves venaient, après les vacances, on leur demandait de représenter ce qu'ils ont vécu chez eux pendant les vacances.
de parler de leurs coutumes, de parler de leurs rois. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de pièces africaines, c'est des pièces historiques, parce qu'on mettait en scène leurs rois, on mettait en scène leurs empereurs, et que ce soit Bernard Dadier, qu'on connaît très bien, ils sont tous passés par cette fameuse école William Ponty de Dakar, où on enseignait, pas peut-être les théâtres aussi formels avec les règles d'un bois, non, mais il y a quand même, si vous voulez, l'improvisation, mais il y a surtout un message qu'on faisait passer dans une population analphabète. On peut faire passer facilement des messages avec le théâtre qu'on ne peut le faire avec le roman. Merci. Merci pour la réponse. Oui, c'est clair. Hein. J'ai bien compris avec ce que vous avez exposé. Alors, Fanny, tu voulais poser une question ? Oui. Je voulais en profiter aussi. Bon, je m'éloigne un petit peu de la littérature. Je pense un peu à mes élèves de culture et civilisation et profiter de votre présence puisque mieux que vous, personne ne pourra leur expliquer. Quelle est un peu la place du français actuellement en Mauritanie puisque, bon, je rappelle rapidement et j'espère ne pas me tromper, disons que le territoire, il a eu diverses colonies, espagnoles d'ailleurs, françaises, mais bon, après, il est devenu territoire français. Et si je ne me trompe, il a même été département d'outre-mer, considéré un département, un DOM à l'époque, quand il y avait les DOM. Mais bon, ça, vous me corrigerez. Donc, et après, il est devenu effectivement une république indépendante. Donc, quelle est actuellement la place du français chez vous, dans les écoles ou... quelle est la place du français? Excellente question, une question d'actualité. Ce que je retiens rapidement, certes, il y a une partie de la Mauritanie qui a été une colonie, qui a été colonie de l'Espagne. Mais par contre, on n'a jamais été d'homme. On a été à l'AOF, Afrique occidentale française. Maintenant, c'est très important. Je vais faire la publicité de si je trouve l'occasion, donc je vous enverrai. Cette question, je l'aborde surtout aussi dans mon deuxième ouvrage, Littérature francophone de Mauritanie. Donc, émergence, influence et confluence. Alors, le français en Mauritanie, le français a une place paradoxale en Mauritanie. Je vais vous expliquer. Au sortir de l'indépendance, le français était la seule langue officielle de la Mauritanie. À partir de 1960. Bien entendu, pendant la colonisation française, en 1960, quand le pays accédait à l'indépendance, c'était la seule langue officielle en Mauritanie. Puis, vers les années 80, je crois, il y a eu une réforme, il y a eu des amendements constitutionnels. Le français est devenu co-langue officielle avec l'arabe. Et il y a eu une autre réforme constitutionnelle en 1991. Le français a disparu de la constitution. On ne parle plus du français dans la constitution mauritanienne. L'article 6 dit « Les langues mauritaniennes sont l'arabe, le soninké, le poulard, et le Wolof. Ensuite, l'arabe est la langue officielle. Donc, officiellement, la langue française n'est pas reconnue en tant que telle en Mauritanie, comme en tout cas langue officielle. Ça, c'est le côté officiel. Les frères maintenant, qu'est-ce qu'ils sont têtus? Ils sont là. Les Français déchirent toujours beaucoup de passion en Mauritanie. Il y a surtout des nationalistes, surtout arabes, qui veulent coûte que coûte la disparition carrément du français en Mauritanie. Carrément. Il y a une population, j'allais dire noire, qui, tant bien que mal, ou bien à tort ou à raison, essaie de s'accrocher au français. Parce que l'arabe, ce n'est pas la langue maternelle. Mais,
Ce qui est sûr, même si le français n'existe pas officiellement dans la constitution mauritanienne, c'est une langue qui existe dans les faits. Elle est enseignée, évidemment, à l'école. Et le roman, je vais le dire, sont écrits, la littérature française est dynamique. Mais surtout au niveau de l'administration, le français continue à être utilisé. Des ministres font leur discours en français. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est arabophone en Mauritanie. Moi qui vous parle, je ne suis pas arabophone. J'ai dû apprendre l'arabe à l'école. J'ai dû apprendre l'arabe pour mon Coran, pour ma religion. Mais aussi bien chez moi ou avec mes amis dans le quotidien, je ne parle pas arabe. Je travaille avec la langue française. Donc, officiellement, le français n'existe pas en Mauritanie. Dans le fait, c'est une langue qui est là. Cette langue, elle est dynamique dans certaines régions. Dans d'autres régions, elle connaît un peu de tassement. Les alliances françaises, on les trouve un peu partout dans les principales villes mauritaniennes. Les écoles françaises existent. Et ces écoles françaises sont surtout fréquentées par l'élite, c'est-à-dire par les enfants de l'élite. Il y a un lycée français en Mauritanie, et ce lycée français est surtout fréquenté par les enfants, si vous voulez, des décideurs. Et ensuite, il y a des écoles qui enseignent le programme français et qui font le brevet français, le bac français, et dès qu'ils ont le bac, ils vont naturellement étudier en France. Donc, c'est pourquoi je parle de la situation paradoxale du français en Mauritanie, qui officiellement n'existait pas, mais dans des faits, est toujours présent en Mauritanie. Merci, c'est super intéressant. Effectivement, plus que paradoxale, très complexe même, puisqu'elle implique... Elle implique un peu des faits politiques et des idéologies presque même, le rapport avec le français. Ouais. Effectivement, et puis il y a cette de considération, cette idéologique, puisque la Mauritanie est un pays très idéologiquement, où il y a beaucoup de tendances idéologiques, ce qu'on appelle les bassistes, les nasseristes, les nationalistes nord-africains, mais bon, ça c'est un autre débat. Oui, oui, oui. Et vous parliez du Peul aussi tout à l'heure. Et justement, comment elle s'appelle, l'auteur camerounaise qui a été nommée au Goncourt cette année, Djibril. Voilà, Amadou Amal, voilà. Eh bien, elle parle tout le temps justement de cette culture Peul. Et vous avez dit qu'elle est présente aussi. Alors, elle a été présente en Mauritanie, cette culture dont elle expose dans son roman, en fait. Et évidemment, le peul, ou bien le poulard, il y a beaucoup d'appellations, le fulfulbé, c'est une langue, une communauté qu'on trouve dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, et même en Afrique de l'Est, donc au Cameroun, au Niger, Nigeria, Mauritanie, Mali, Sénégal. Tous ces écrivains mauritaniens que la plupart que je viens de citer, Omar Ba, c'est un Peul, Djibril Sall, comment ça s'appelle, Youssou Gueye, tout ça, tous ces écrivains sont des écrivains Peul. Donc c'est une grande communauté qu'on trouve dans beaucoup de pays africains. Évidemment, la culture Peul, la langue Peul, elle est présente en Mauritanie, elle est dynamique, il y a des associations qui essaye donc toujours d'aller en avant. Et je salue d'ailleurs, vous venez de citer cette auteure qui est une amie personnelle, parce que je le connais il y a très longtemps, avant qu'elle ne soit l'auteure célèbre qu'elle est aujourd'hui. J'ai eu la chance de modérer l'une de ses conférences, c'était déjà en 2014, en Algérie, au Salon international du livre d'Alger, le SILA. Alors bon, elle était encore jeune écrivaine et on garde notre amitié, et puis je suis vraiment très content parce qu'à l'époque j'ai déjà scellé en elle des talents et je suis très heureux de l'avoir arrivé à ce niveau. Oui, sacrée histoire effectivement,
aussi bien celle qu'elle raconte que la sienne. Donc, Tout à fait. Ça fait plaisir qu'elle ait été nommée au Goncourt et ça montre que voilà, la modernité arrive aussi un petit peu du côté de la littérature française. Et voilà, c'est bien que la littérature française maintenant essaye de sortir un peu de ça, de ça. C'est encourageant, pour toute notre littérature francophone. Oui. Et surtout pour une jeune femme comme ça, avec l'histoire qui est la sienne. Certes, c'est elle qui est récompensée, mais à travers elle maintenant, c'est toutes les femmes africaines. Ça va les encourager, j'espère, à aller encore beaucoup plus en avant. Oui. Ben merci beaucoup, hein. Merci. Tout est très très intéressant et enrichissant. Mon seul regret est que nos élèves, vos élèves, ne m'aient pas posé des questions. J'aurais bien voulu les entendre. Bon, il y a la surprise. Il est autour de cette littérature, peut-être. Donc, bon, il y a l'activité qui est aussi qui est là, qui n'est pas les rapanages. Tous nos étudiants sont timides, hein, ils sont tous comme ça. Hein. Mais peut-être, en tout cas, qu'ils n'hésitent pas dans privé et tout. Je continue à avoir des échanges avec eux. S'ils ont des questions, il ne faut pas qu'ils hésitent. Je vais répondre avec plaisir. Si pour la prochaine intervention que vous ferez, j'espère en présentiel, eh bien, nous, on était comme eux, en fait. On connaissait rien, on ne connaît rien de la littérature mauritanienne. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on travaillera avec eux des textes la prochaine fois. Ils auront déjà une petite connaissance et je pense que ce sera beaucoup plus facile aussi. Ils auront sans doute des questions à vous poser pour la prochaine fois. J'imagine. Ouais, j'ai une dernière petite question. Ça rejoint un peu ce qu'a demandé Fanny, enfin, ce que vous avez exposé tout à l'heure par rapport aux femmes. J'ai relevé presque tous les noms d'auteurs que vous avez cités. Si je me trompe, ce sont presque tous des hommes, non? Youssouf, Mohamed, je connais un petit peu les noms d'origine arabe. Est-ce qu'il y a en Mauritanie des femmes aussi auteurs qui commencent un petit peu à percer? Est-ce que vous pourriez en citer si vous en connaissez? J'imagine que oui. Oui, vous voyez, il n'y a pas de gens, c'est vrai. Mais il y a quelques femmes qui commencent à sortir du lot. Par exemple, pour le théâtre, pas pour le théâtre, pour le roman, il y a deux auteurs d'ailleurs qui portent le même prénom, qui s'appellent toutes les deux Achetou. Achetou, donc Achetou Mete Ahmed, je crois, si ma mémoire est bonne, Achetou Mete Ahmedou. Qui a écrit un très beau roman qui s'intitule La couleur du vent. La couleur du vent. Alors, donne-moi une minute. Puisque je suis dans mon bureau à la maison, je tire le roman. Oui, pas de problème. Je vais chercher pendant ce temps-là comment ça s'écrit exactement. Tu as trouvé, Fanny, comment la couleur du vent, je cherche? Ouais, je crois que c'est Imiolek. J'ai trouvé. Attends, je vais le marquer. Voilà, c'est pas sur l'écran, vous pouvez, c'est Achetou Mint Ahmedou. le roman, c'est la couleur du vent. C'est publié à Nakhchette à la librairie 1521. D'ailleurs, pour confirmer, voilà sa photo. Hein? Je ne sais pas si ça sort bien à l'écran. Donc, il y a elle qui écrit. Elle est professeur de lycée, professeur de sciences naturelles au lycée, de formation. Il y a une autre Achetou qui publie régulièrement chez l'Harmattan. Elle le publie seulement avec son prénom. Achetou, tout simplement. Elle a plus de 10 romans. Elle n'est pas très connue en Mauritanie. Elle ne vit pas en Mauritanie. Elle vient rarement. Enfin, moi, personnellement, je ne la connais pas. Je ne connais pas la femme. Je connais l'œuvre. Et il y a une autre auteure, une romancière qui s'appelle Belinda Mohamed.
Belinda Mohamed qui écrit. Un peu, bon, il y a autre, il y a Safia Touba. Safia Touba. Ça, tout ça, c'est, ils sont entre le roman et la nouvelle. En poésie, il y a une dame qui s'appelle Mariam Mintidermish, qui a écrit un titre, un recueil de poésie au titre évocateur. Ça s'appelle Mille et un jeu. Mille et un jeu. Mille. On connaît le mille et une nuit. Elle, c'est mille et un jeu. Jeu, le pronom personnel. Donc, ça. Ça montre son côté pluriel. Et elle est à la fois mauritanienne, elle est à la fois française. Donc, la thématique principale, bien entendu, de cette œuvre, c'est surtout la diversité culturelle de la Mauritanie. La Mauritanie est un pays par définition multiculturel. Tout mauritanien est métisse, qu'on le veuille ou non. Métis, pas au sens chromatique, mais métis au sens culturel. On subit tous des influences. Au moins, chaque Mauritanien subit deux à trois influences, j'allais dire naturellement. L'influence musulmane, évidemment. Et quand on ne peut, par exemple, je donne l'exemple, quand on ne peut, on subit, qu'on le veut ou non, aussi bien l'influence arabe et l'influence française, voire d'autres influences africaines. Quand on est sonique comme moi, c'est pareil. Moi, je suis une influence de la culture française par l'école, par ma scolarité, l'influence de la culture arabo-musulmane par le voisinage avec les Arabes et par ma religion musulmane. Les Mauritaniens, donc, sont, comment on appelle son ouvrage Mille et un jeux, montre d'ailleurs. Ça me rappelle cette émission aussi, je ne sais pas si vous suivez, vous écoutez souvent Radio France Internationale, en sol majeur, tous les poètes, enfin tous les invités qui passent par là, c'est des écrivains qui ont une culture plurielle. Et je pense que le Mauritanien, non seulement il est d'une culture plurielle, mais c'est très rare de voir un Mauritanien qui ne parle pas au moins deux langues. Au moins un Mauritanien parle deux langues, voire trois ou plus. Oui, j'ai noté. Donc, en fait, oui, c'est vrai, j'y avais pensé aussi. Donc, les Mauritaniens sont vraiment polyglottes par excellence. Donc, c'est minimum, j'imagine, l'arabe par rapport, en tout cas, à la religion, n'est-ce pas, par rapport au Coran. Peut-être aussi le français, en tout cas, pour les populations les plus favorisées, on va dire ça comme ça, l'élite, comme vous avez dit. Et après, les dialectes ou les langues vernaculaires, c'est ça qui se parle dans leur région. Les langues nationales. Nous, on les appelle les langues nationales. Les langues nationales. Surtout le mot qu'ils ne veulent pas utiliser, c'est le mot dialecte, puisque ça paraît péjoratif pour le Mauritanien, puisque le combat linguistique en Mauritanie, c'est aussi un grand combat. Et le combat pour le soninké, le polar et l'orof, c'est de voir leur langue officialisée au même titre que l'arabe, qu'elle soit enseignée au même titre que l'arabe. D'accord, donc en fait, la langue, on va dire. Vous avez dit officiel, c'est l'arabe, mais justement, comme tout le monde ne le parle pas, comment est-ce qu'on peut communiquer avec tout le monde pour faire comprendre de la grande majorité de la population, finalement? On parle donc une langue nationale, la plus parlée peut-être, ou comment ça se passe? Alors, comme je disais avec Fanny, c'est aussi complexe, c'est paradoxal. Ça dépend du contexte. Dans le contexte, on parle arabe, dans d'autres contextes, on parle français. Et il faudrait quand même qu'il y ait une forte majorité de la population qui parle français. Même si je dis encore, j'insiste, même si le français n'est pas reconnu en tant que tel comme langue officielle. Moi, quand je sors de chez moi avec la plupart des gens que je rencontre, je parle le français avec eux. S'il n'est pas de ma communauté linguistique, je parle souvent français avec les Arabes, beaucoup d'Arabes parlent français, bien entendu, évidemment, même s'ils ont aussi leur langue qui est l'arabe. Ok, oui, c'est vrai que c'est compliqué par rapport au. Ouais, c'est très compliqué. Même dans le gouvernement, je vous dis, dans le gouvernement, il y a des ministres qui ne parlent pas arabe. Les médecins, tous les médecins d'ailleurs. Consulte en français, les ordonnances sont toujours faites en français. À ma connaissance, il n'y a aucune ordonnance qui est faite en arabe, par exemple. Pour donner un exemple aussi
basique. Tout ce qui est aspect technique, technologique, scientifique. Je profite pour vous dire qu'au niveau de l'enseignement, j'en ai pas parlé, au niveau de l'enseignement, dans les textes officiels, tout ce qui est enseignement des sciences humaines, histoire, géographie, philosophie, on doit le dispenser en arabe. Et tout ce qui est enseignement scientifique, les mathématiques, la physique, la chimie, on doit l'enseigner en français. C'est comme ça. Dans le programme, je suis enseignant, du collège au lycée, tout ce qui est mathématiques est enseigné en français. Tout ce qui est sciences naturelles, tout ce qui est physique et chimie est enseigné en français. Mais tout ce qui est philosophie, tout ce qui est histoire est enseigné en arabe. Je ne sais pas, ça me paraît un peu, je ne sais pas, pour moi, maîtriser par exemple la littérature française, c'est aussi connaître la philosophie en français. C'est ça. Donc, Pascal, Descartes, je ne sais pas moi, Jean-Jacques Rousseau et tout, sont aussi des hommes des lettres que des philosophes. Donc, il faut les lire, surtout, je pense, si c'est possible, dans leur langue première. C'est mon point de vue en tant que technicien cette fois-ci. Oui, oui, vous avez raison. D'ailleurs, j'avais vu une interview, je ne sais plus qui était l'invité, malheureusement, c'était une dame noire, qui critiquait ça dans le sens où elle disait, voilà, en Afrique, on enseigne toujours, je ne sais pas si je me trompe, hein, c'est elle qui l'avait dit, je reprends un peu ses paroles, il me semble, qu'elle disait, voilà, on enseigne toujours la philosophie française, alors qu'on pourrait aussi s'intéresser à la philosophie africaine. Est-ce qu'il existe, parce que nous, on ne connaît pas du tout, c'est vrai, est-ce qu'il existe, je pense que oui, une philosophie africaine, est-ce qu'on l'enseigne, est-ce qu'il y a des écrits par rapport à cette discipline? C'est ce qui est dommage, il y a une philosophie africaine qui peut-être même a existé bien avant l'arrivée du français ou de l'anglais en Afrique. Malheureusement, dans nos universités, qui sont des universités construites, où les premiers enseignants, c'était des Français. L'université de Dakar, c'était d'abord une université française. Donc, on enseignait que, si vous voulez, que des philosophes occidentaux. Mais aujourd'hui, heureusement, il y a des chercheurs qui commencent à s'intéresser à la philosophie africaine. Bien entendu, on a eu des célèbres chers Anta Diop. Aujourd'hui, il y a le professeur sénégalais Elhadj Bachir Diagne qui commence à s'intéresser, même philosophie en islam qui existe. Mais ça reste, je reconnais, ça reste timide. Je suis sûr que dans le département de philosophie, on enseigne plus les Hegel, les Leibniz que nos philosophies. Alors qu'il y a une philosophie, dans ma langue, il y a une philosophie, en Poulard, en Wolof, en Bambara, il y a des philosophies, mais malheureusement, qui sont. Comme d'ailleurs, c'est pas seulement la philosophie, c'est comme les littératures orales, entre guillemets, qui ont été pendant longtemps des littératures marginales et marginalisées. Mais heureusement, il y a une nouvelle génération de chercheurs africains qui commencent à leur donner leur lettre de noblesse. Moi, je pense que d'ici quelques années, la littérature, la philosophie africaine aura toute sa place dans les amphithéâtres des universités africaines. Et toi, c'est mon cas, espérons-le, oui, parce que mais connais, mais ça m'intéresserait effectivement d'établir des comparaisons. Je pense qu'il y a des choses qui se rejoignent, d'autres qui s'éloignent par rapport à la culture, bien évidemment, mais ce serait très intéressant de voir peut-être des ponts entre ces deux cultures, finalement. On peut toujours voir ça d'un côté contrastif, oui. Il y a, je ne sais pas comment on prononce ton prénom, excuse-moi, Juaria, qui me demande ici, alors je pense que vous avez fait référence tout à l'heure à une œuvre, et tu peux prendre la parole si tu veux, hein. Je ne sais pas exactement la question que tu voulais poser à Mbouceta. Est-ce que vous pourriez m'écrire, s'il vous plaît, comment s'appelle Mille et ? Parce que je connais Mille et lui. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce qu'elle veut demander, oui. Cette personne. Oui, parce qu'il voilà. A mentionné un livre, je crois, Mille et... c'est comme... Bon, je n'ai pas bien entendu, c'est pour ça que je suis intéressée pour ce livre-là. Merci. Mille et un jeux.
en tant que première personne, j'ai écrit. Donc, c'est pour dire qu'il a, lui, enfin, elle, c'est une femme, elle a une personnalité. Et on ne peut pas la cantonner cette personnalité. Elle est à la fois africaine, maghrébine, occidentale, mauritanienne. Donc, ça parle, c'est un recueil de poésie qui parle de la diversité. Voilà. Donc, D'accord, c'est merci. Ah, ça m'a fait plaisir d'entendre. C'est pas parce que je m'ennuie avec Virginia et Fanny, mais entendre une autre voix aussi, ça fait plaisir. Alors, j'ai une question aussi, Hélène. Hélène, tu peux prendre la parole aussi si tu veux, hein, une question qui renvoie justement au français, parce que vous avez dit que c'est une langue de l'enseignement. Alors, Hélène, où es-tu? Si tu veux, tu peux intervenir. Ah, voilà, te voilà. Monsieur, bonjour à tous et à toutes. Oui, j'ai relevé ce que vous avez dit par rapport à l'enseignement donc des mathématiques et des matières scientifiques qui se fait en français. Et ça m'a paru un paradoxe puisque la langue française n'est plus officielle en Mauritanie. Comment se fait-il que les pouvoirs publics laissent les enseignants utiliser cette langue pour que les élèves maîtrisent des matières comme les sciences. Comment est-il possible? Je veux dire, c'est un paradoxe, c'est peut-être quelque chose que je ne saisis pas. Effectivement, dès le début, j'ai parlé de paradoxe quand je parle de français en Mauritanie. Hein. Je crois que c'est le premier mot que j'ai utilisé. J'ai parlé de paradoxe et fallait ajouter complexité. Je pense que c'est les pouvoirs politiques même qui ont demandé à ce que les matières scientifiques soient enseignées en français. Même si officiellement on ne parle pas de français, mais dans les discours de tous les jours, le français est considéré comme langue d'ouverture. Le français en Mauritanie est considéré comme langue d'ouverture. Déjà, tout notre environnement culturel, c'est les francophones. Au Sénégal, à côté, au Mali, à côté, le français, c'est la langue officielle. Au Maroc, même si ce n'est pas la langue officielle, on sait quand même, on travaille au Maroc, on travaille beaucoup plus avec le français, surtout à l'université. En Algérie, c'est le va-et-vient entre l'arabe et le français, mais le français continue à garder toute sa dynamique en Algérie aussi. Donc, la Mauritanie ne peut pas faire cavalier seul. Et finalement, elle s'est rendue compte que si pour des raisons identitaires, des raisons idéologiques, il faut mentionner dans la Constitution que l'arabe est la langue officielle, pour des raisons pratiques, on se rend compte qu'on a besoin du français pour évoluer avec son temps. C'est comme ça que ça se passe. Et vous parlez du pouvoir public, et c'est surtout les enfants de ces décideurs qui sont surtout plus branchés sur la langue française que les enfants j'allais dire, du paysan. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que aussi, parce que bien sûr dans nos pays européens et occidentaux, on parle anglais, est-ce que l'anglais aussi a une place en Mauritanie ou pas du tout? Oui, effectivement, l'anglais commence à revenir, à venir en force. Moi, les gens de ma génération, l'anglais, je le faisais qu'au lycée. Maintenant, moi, j'ai mon fils qui a 6 ans et qui a commencé l'anglais. À l'école primaire, on apprend déjà le français, l'arabe et l'anglais. Bien entendu, au fur et à mesure qu'ils avancent en âge, ils deviennent, je pense, en fait, j'espère qu'ils seront de polyglottes. L'anglais, bien entendu, commence à prendre toute son importance en Mauritanie. C'est que l'espagnol, il y avait au moment, c'était une langue très dynamique. Après, l'espagnol, il a disparu de la situation, mais il commence à revenir. À l'université où j'enseigne, à la faculté, il y a un département des langues vivantes où la langue la plus enseignée, c'est l'espagnol. Je pense donc qu'il y a ce qu'on appelle des classes, je ne sais pas comment ça s'appelle, Ola, et ensuite il va bientôt avoir un centre, comment ça s'appelle ça, Cervantes, à l'université de Nouakchott. Et les autres langues alors, dont vous nous avez parlé, qui sont aussi propres à la Mauritanie, vous avez dit qu'elles n'étaient pas du tout enseignées et même pas, elles n'ont pas une place au niveau universitaire.
Les langues, je n'ai pas compris. Les autres langues donc, dont vous nous avez parlé, qui ne sont pas officielles, mais parlées en Mauritanie. Je parle des langues parlées par les populations noires, c'est-à-dire le soninké, voilà. le wolof. C'est des langues, en ce moment, qu'on avait commencé à enseigner. Elles sont transcrites maintenant. Elles sont transcrites en caractère latin. Dans les années 79, on a commencé à les enseigner. Et jusqu'à un certain moment, lorsque les enfants sont arrivés au niveau du collège, on a arrêté l'expérimentation, c'est dommage. Mais au niveau de l'université actuellement, il y a ce qu'on appelle le département de linguistique et des langues nationales. Ce département est censé enseigner donc ces langues, que sont le polar, je dis le polar ou le peul, c'est la même chose, que sont le polar, le soninké et le wolof. Mais avant ça, il y avait ce qu'on appelle l'Institut des langues nationales qui a fait un travail extraordinaire. Donc, ils ont transcrit les langues, ils ont fait des manuels de lecture, des calculs dans nos langues nationales. Mais encore, pour des raisons peut-être politiques ou idéologiques, cet institut a finalement été dissous. Et actuellement, il y a des associations qui militent pour son retour. C'est les langues qui sont transcrites et mieux, il y a même une codification, il y a une harmonisation. Puisque ces langues, le soninké ou le poula ou le lof, ne sont pas parlées qu'en Mauritanie. Ils sont parlées au Sénégal, ils sont parlées au Mali, en Guinée, dans plusieurs pays. Il y a même des commissions extranationales qui essayent d'harmoniser leur grammaire, leur conjugaison, leur syntaxe, pour que, par exemple, un peuple qui quitte la Mauritanie et qui va, par exemple, au Cameroun, puisse écrire le même peuple, sinon ça va être en... Vous voyez l'anarchie. On ne peut pas avoir un peuple en Mauritanie et un peuple au Cameroun. On doit avoir le même peuple. Il doit avoir une forme d'harmonisation, comme on essaie de le faire avec les Français en France, en Belgique, au Canada et en Afrique francophone. Ok, ben merci beaucoup pour cette intervention qui était merveilleuse et très instructive. Je vous en prie, Hélène. Alors, il y a d'autres petites questions ou c'est bon? J'attends un petit peu. Moi, je voudrais poser une question si c'est... Oui, alors Daniel, je te laisse la parole. C'est justement que vous avez souligné évidemment la différence entre la population plus proche au Maghreb, à la population arabe, la population noire. Est-ce que vous croyez, parce que tu as dit évidemment que bon, les pays c'est assez récent et évidemment la littérature est en train d'évoluer, et est-ce que vous croyez que la littérature d'expression française devient un outil pour unir le peuple en tant que peuple mauritien, ou ici la différence entre les deux populations? Je ne sais pas si j'ai vraiment bien compris, mais je vais reprendre à partir de ce que j'ai compris. La littérature mauritienne de langue française aujourd'hui n'est pas écrite que par la population noire. Elle est écrite par toutes les composantes. Il y a des Arabes, Bilouk, qui est aujourd'hui peut-être le romancier le plus célèbre, il est de culture arabe. Au début, certes, ce sont les communautés noires, parce que c'est normal aussi, c'est là où il y a les premières écoles françaises. Mais quand les autres ont eu aussi les écoles françaises, ils ont commencé à écrire à chez tout. Cette dame que je vous parle est de culture et de langue arabe, mais elle écrit en français. Le français, ce n'est pas une langue mauritanienne, mais c'est une langue pour les Mauritaniens, et chacun, en fonction de son origine, peut l'utiliser. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Oui, c'est justement parce que j'ai pensé, comme vous avez souligné, que je crois quelques instants avant que une partie de les personnes arabophiles c'est pour ça que j'ai pensé peut-être ça souligne au poste des problèmes ou quelque chose
ça, c'est pour ça que je demande. Merci pour Je vous en prie. Merci, Daniel. Merci, Daniel, pour ta question. Alors, d'autres petites questions? Oui. Non. Alors, Angel, oui, je te cède la parole. Vas-y. Merci. Est-ce que vous pensez que cette poésie va marquer la différence, par exemple, dans la lutte contre le racisme? Je sais pas si vous avez entendu. Est-ce que cette poésie va marquer un avant et un après par rapport au racisme? C'est ça, Angel, que tu as demandé? Parce qu'on n'entend pas très bien, en fait. D'accord, c'est ça. Donc, la lutte contre le racisme, hein, demande Angel, je crois que c'est ça. Il y a certains poètes qui abordent cette question de racisme. Et effectivement, même si je dis encore, ils ne le font pas de façon explicite. C'est sous couvert de ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec l'apartheid, ou bien de ce qui s'est passé surtout aussi des États-Unis, la ségrégation. Mais c'est quand on, dans une conférence comme ça, quand on invite des poètes, qu'on analyse leurs œuvres, certains finissent par lâcher le morceau en disant oui, effectivement, parfois quand je parle de l'Afrique du Sud, je parle aussi de la Mauritanie. Surtout, je dis encore, depuis 1989, je parlais de Bios Diallo avec Une vie de Sibylle. C'est une œuvre aussi qui pose de... pas seulement la poésie, hein, c'est aussi le roman. C'est aussi Mamadou Kayouba, Bios Diallo, pose, si vous voulez... J'aime pas souvent parler de racisme, je préfère utiliser l'euphémisme cohabitation conflictuelle. Hein? Puisque le racisme s'entend maintenant fourre-tout, on l'utilise à toutes les sauces. Au niveau de la critique littéraire, au niveau de l'Université de Manchette, on parle plutôt de cohabitation conflictuelle entre communautés arabes et communautés noires, qui ne sont pas toujours mis pour des raisons raciales, mais pour d'autres intérêts partisans. Et évidemment, cette thématique, cette question de discrimination, de ségrégation, existe aussi bien dans le roman que dans la poésie mauritanienne. D'accord. Merci. En fait, ça rejoint un peu ce que disait Daniel, parce que Daniel, tout à l'heure... l'aspect que je pense que vous n'avez pas entendu, il disait si justement la langue française servait de point d'union, en fait, si la langue, le fait de s'exprimer en français, ça servait de point d'union entre les deux cultures existantes en Mauritanie. C'est plus ça, je pense, que Daniel a posé comme question, tu vois, donc ça se rapproche un peu de la question d'Angel. Est-ce que vous avez répondu? Ah, d'accord, j'avais pas entendu cette partie de la question. Oui, pas seulement à Mauritanie, dans beaucoup de pays africains, le français, dans les faits, devient une langue de pont. Dans des pays comme le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, on peut avoir jusqu'à 200 langues locales. Parfois, les populations trouvent dans la langue française le moyen de communication. En Mauritanie, il faut quand même relativiser. Hein, il faut relativiser. Parfois, oui, il devient une langue de communication, mais parfois aussi... pas forcément les camps. Je dis que ça dépend du contexte et ça dépend des régions et des situations, bien entendu. Comme le mauritanien, moi je suis mauritanien, mais je parle encore deux autres langues mauritaniennes. Donc si je rencontre un compatriote peul, je peux ne pas parler français avec lui, je peux parler sa langue maternelle, puisque dans ma région, le peul est en majorité, je parle leur langue, donc on peut faire une conversation dans sa langue maternelle. Tout est relatif, en tout cas, pour la Mauritanie. Voilà. Ok. Alors, d'autres questions? Erika, peut-être, je la vois. Je ne sais pas si elle veut participer. Non, c'est une erreur avec une touche. Bon, bah alors, si personne n'a d'autres questions, eh bien, nous allons clore cette conférence. Je vous remercie encore très chaleureusement
vous, c'était d'être intervenu, d'avoir répondu patiemment à toutes nos questions, parce que nous étions vraiment, entre guillemets, analphabètes hein, en ce qui concerne la littérature mauritanienne. Donc, on a vraiment appris beaucoup avec vous. Et nous espérons vous revoir le plus tôt possible, dès que ce fameux fichu coronavirus eh bien, nous laissera un petit peu tranquille. Et on pourra, j'espère, vous inviter ici à l'université en présentiel. Ce serait vraiment un plaisir de vous recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Donc, vous voyez, quand on échange avec les mecs, il n'y a pas toute cette chaleur. Maintenant qu'on se vit, c'est encore beaucoup plus dynamique. Et ça, nous doute si ça sera encore physiquement, c'est encore plus intéressant. En tout cas, très content. Et n'hésitez pas. Moi, j'ai un combat, c'est de faire connaître la littérature mauritanienne et je partirai en Chine, en Himalaya, si ça y est, présenter la littérature mauritanienne, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. En tout cas, oui, je me remettrai en contact avec vous parce que vu que j'enseigne la littérature francophone et je pense que Fanny aussi en littérature française en général, eh bien, je pense que oui, qu'on se remettra très rapidement en contact avec vous pour en apprendre encore davantage. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Et dès que l'occasion se présente, on a nos revues, j'ai des exemplaires ici, pour mieux encore vous être satisfaits, ça sera un plaisir de vous faire parvenir des exemplaires. Ah bah c'est très gentil, vraiment. Bien, donc les élèves, je vous dis merci d'avoir assisté, d'avoir posé des questions. Et voilà, donc je vous libère hein, si vous avez cours. Moi, mes élèves, on fait une petite pause de 5 minutes et on se voit comme d'habitude au link, enfin au lien habituel, d'accord hein. On va reparler justement de cette conférence. Et Monsieur Dagana, bah, je vous dis au revoir. Merci encore infiniment pour tout et à très bientôt. Voilà. Merci Benjamin, merci Fanny et merci à vous. À très bientôt. Je vous avoue que c'est plus un moment de plaisir intense pour moi. Pour nous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Plaisir de vous revoir et de vous réécouter. D'accord, avec plaisir. Au revoir. Au revoir, alors, c'est votre étudiant et collègue qui m'a beaucoup aidé sur le chat. Merci aussi. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, au revoir à tous. Au revoir. Bon, moi, mes élèves aussi, on se retrouve 5 minutes sur le lien du cours. Okay. Vous pouvez cortar si.